Tu as pris ton temps, Motol. Lui enseignerez-vous? C'est un génie. Je pourrais lui enseigner. Vous demeurez à Londres? Je retourne à Varsovie avec ma femme et mes filles. Je vais le laisser ici. Toujours toi? Du piano. Un peu. Je suis un génie. Je vais t'apprendre. Tu deviendras un peu génie. On fait bonne équipe, non? Voici un Niccolò Galliano Filio, 1735. Joyeuse bar mitzvah, David. Encore? C'est ça qu'ils ont vécu, mes sœurs, mes parents. Combien de gens sont morts hier soir, Motel? Des dizaines de milliers. Et personne ne sait comment il s'appelait. Il livrera ce soir son tout premier concert sur une scène internationale. Qu'a-t-il dit où il allait après la répétition? Il n'a rien dit. Je dois vous annoncer avec regret que le soliste que vous êtes venu écouter ici ce soir ne peut se présenter. Va le retrouver. Je l'ai peut-être trouvé. Ça va devenir ton nouveau passe-temps, Martin. Mmh. Retrouver David pour qu'il t'insulte encore une fois. Je cherche David Rapoport. Un Galliano de 1735. Vous cherchez un instrument ou le propriétaire? Les deux. Vous l'avez vu quand la dernière fois? C'était il y a longtemps. C'est un virtuose. Il a environ mon âge. Vous n'avez jamais rien entendu de tel. Pourquoi est-ce que tu continues à le chercher? Tu perds ton temps. Notre temps. Il n'a peut-être plus que moi. Jouer ce morceau, c'était son obsession. Pourquoi t'as fait ça? Je suis pas sûr que tu comprendrais. C'est incroyable. On peut se sentir coupable sans l'être.